Bonjour à tous, je suis Monsieur Tandine Thomas, fondateur et promoteur de l'entreprise de biotechnologie Tandine Forondry. C'est la toute première entreprise de biotechnologie en Afrique. Alors, pour ceux qui nous découvrent pour la première fois, nos missions sont celles de la santé, de la sécurité, de la souveraineté alimentaire du continent africain grâce à la biotechnologie. Alors, pourquoi la biotechnologie? Tout simplement parce que c'est la seule voie scientifique qui est capable de redonner à notre continent un, les moyens de se soigner efficacement grâce aux molécules très performantes issues de la biotechnologie. En effet, les molécules de synthèse consommées actuellement ont montré leurs limites dans le traitement des maladies ou des pathologies liées aux virus, aux microbes, aux bactéries. Il est donc temps pour une entreprise comme la nôtre de développer des solutions efficaces pour le bien-être de nos populations. En dehors, la biotechnologie est également la seule voie scientifique capable de redonner à notre continent sa sécurité, sa souveraineté alimentaire grâce aux semences à haut rendement, comme celle de Poupata de Nefourndus, grâce aux ingrédients alimentaires révolutionnaires, comme celle de Poupata de Nefourndus, grâce aux bonnes pratiques agricoles et à une organisation stratégique de bout en bout. Alors, ceci étant dit, dans cette vidéo, il est question de vous présenter les racines du piment géant tadjine à 5 mois d'âge, après le repiquage. Voici une plante du piment géant tadjine. Et comme vous pouvez le constater, pour une première fois dans le monde, on a une plante de piment qui a 1, 2, 3, 4 et 5 tiges, une révolution. Ce qui veut dire qu'en termes de productivité de haut rendement, c'est spectaculaire. C'est au moins 1000 tonnes par hectare en production spécifique durant toute la phase d'exploitation économique de la plante. Alors, il est donc question dans cette vidéo de vous présenter ces racines qui sortent à 5 mois d'âge du piment géant tadjine. Comme je le dis toujours, l'entretien de votre plante est stratégique et très 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 important. Vous voyez tout autour aussi comment tout autour la plante est pour être bien entretenue. Quand on fertilise avec les fientes, on met les fientes tout autour de la plante. Tout autour de la plante, ça se passe sur la tige, tout autour de la plante. C'est-à-dire que à 10 mètres par rapport à la tige, vous voyez qu'on a mis les fientes tout autour là. Parce que les racines qui consomment, qui s'alimentent, les racines nourricières qui alimentent la plante, tout sont tout autour de la plante, autour de 30 cm carrés autour de la tige, ou bien des tiges, comme vous pouvez le constater ici. Donc, ici, donc, au cinquième mois après le repiquage, on a ces racines qui sortent. Ces racines qui sortent pour permettre la plante de bien s'alimenter, par rapport aux nutriments qui sont tout disponibles autour de la plante. C'est pour ça que l'entretien est très important. Je le répète, ça augmente donc la productivité de la plante, ça augmente la durée de vie de la plante et ça augmente les rendements de la plantation ou bien de la plante. Donc c'était donc très important. Vous voyez qu'on a buté la tête autour de cette tige. Voilà les racines qui sont en train de sortir, les racines nourricières qui sont en train de sortir, qui vont augmenter la durée de vie, la productivité, le haut rendement de la plante. Alors, la semence coûte 250 000 francs CFA par hectare, plus un service après-vente qui vous garantit le haut rendement. Ici, nous sommes en présence de la V2, du piment géant tadjine. Alors, pour me contacter en bas de cette vidéo, bien via mon WhatsApp. Merci et à très très bientôt.